près de la paix de Marseille, là, ça fait 18, s'il vous plaît. Si vous pouvez enlever les dossards et les ramener, ce serait vraiment super, super sympa. Ah, attends, si on parle de bon du club, il n'y a personne qui Tu peux te mettre en dépannage et faire tourner les petits, un gars, faire le système, fait commencer les petits. Hein? Tu as place, t'es où? T'es là-bas, toi? Non, j'ai bifurqué les petits. Hein? Oui, là, j'ai parlé comme ça. Ouais. J'aurais dû faire peut-être le circuit. D'accord, ouais, d'accord, j'ai envie d'aller, ça va te fermer là. Non, c'est agréable. D'accord, ok. Il y a Gérard, il m'a dit. Tu as que... la vanne, Gérard? Voilà, super. Comme ça, Olivier, je donne le départ. Ok, ça marche. Il est comme il descend de vélo. Ça y est. Il faut le faire, c'est vrai, après. Oh, t'as que moi. On va peut-être faire un petit tour du côté du classement. Regardez un petit peu ce qui se passe dans la compétition des plus jeunes. Baptême en cyclocross qui augure peut-être une belle saison sur route et un début de saison avec votre belle formation Casépargne-Balea. Oui, j'espère bien, parce que c'est vrai que cette année la saison était courte parce qu'au mois de mai j'avais arrêté pour un problème d'artériaque. Donc voilà, j'étais opéré au mois d'août, j'ai une rééducation et c'est vrai que bon, là, j'ai fait un hiver assez studieux pour pouvoir rattraper le retard pour entamer la saison avec de bonnes jambes. Quand vous avez vu l'an passé, si ma mémoire est bonne, sur les routes du Tour méditerranéen, l'avenue Gambetta hier, ça ne vous est pas, ça ne vous laisse pas indifférent. Vous avez vu arriver en tête sur cette avenue, vous avez manqué 300 mètres. Cette année, ça peut être un objectif, peut-être une étape Tour méditerranéen, une présence déjà au Tour méditerranéen. Oui, la présence c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que si on peut claquer une étape, surtout au domicile, c'est plus mieux. Et ça, l'année dernière, bon, on ne manquait pas grand-chose. Donc, on pourrait essayer d'aboutir cette année. Ouais. Et vous êtes nouveau dans le département du Var, mais le département du Var vous plaît, parce que si, encore une fois, ma mémoire ne me fait pas défaut, vous étiez échappé au Tour du Haut-Var, me semble-t-il, l'année dernière. Là encore, on voit que vous êtes attaché à toutes ces épreuves. Tour du Haut-Var, on n'est pas sûr du côté de la Caisse d'Épargne, la participation est un petit peu incertaine. Ouais, on est toujours en cours du programme, donc bon, ça va, j'espère, parce que c'est vrai que c'est une super belle classique, donc on va essayer de pousser pour que l'équipe elle vienne. Voilà, Eric Berthoud, on va lui souhaiter bon courage. En attendant l'avenue de Gambetta et le goudron tout lisse de Gambetta, on va lui souhaiter bon courage sur le goudron. Ouais.
de la région, de l'interrégion sud-est, et que de beaux coureurs, excellents tout au long de cet après-midi. Monsieur extrêmement gentil, qui vous est un des tout meilleurs français.